Alors c'était la nuit, il y avait la pleine lune, je suis sorti à la pleine lune en me disant je vais peut-être voir quelque chose sur la neige. Et en fait, tu vois pas grand-chose, tu vois des vagues silhouettes, mais tu n'arrives pas à distinguer. J'ai vu passer un renard quand même dans le village, ou très proche. Je me suis relevé à l'aube, et puis je me suis installé adossé à une maison. Puis j'ai vu deux oreilles, le museau, là, je dis, ben, c'est le renard qui traînaille, j'ai mis les jumelles dessus. Bah oh, un loup. Oh, c'est pas vrai. Et puis un deuxième à côté, ils étaient deux. Un assis, un debout, qui regardait avec les oreilles, là, qui... Et je me suis dit, il va me voir, il va me voir. Il était à moins de 100 mètres, tu vois, peut-être 80 mètres. Et je mettais les jumelles dessus, et j'osais même pas faire la mise au point, tu sais, avec la molette, là, en me disant, il va voir mon doigt bouger, il va me repérer. Puis à un moment donné, son regard circulait comme ça, un peu partout, et hop, il m'a fixé, il a vu quelque chose. Ça, ça m'a marqué pour la vie, hein, ce regard. On est en route. Des jumeaux. Oui. Ils s'appellent comment? Chip-chop. J'avais vu que c'était des jumeaux. C'est possible. Ils étaient ensemble aussi. Ils sont toujours ensemble, les jumeaux. On est éleveurs de montagne. On vit ici avec les bêtes. On profite du paysage. On vit la montagne comme ça avec nos bêtes. Ici, c'est très calme. On dirait qu'il y a rien dans le sens. Il n'y a pas grand monde qui passe. Peut-être il y a du silence énorme. Et après, tous les jours, il peut arriver quelque chose de très différent, soit dans ton métier, soit dans ta vie. Et c'est surprenant. La chose que je trouve plus surprenante, c'est que moi, j'ai toujours eu plus d'expérience ou d'émotions ici, on va dire cachées dans les montagnes, que quand j'étais l'hiver donc en ville, quand j'avais 18 ans, je sortais en boîte de nuit, tu rencontrais plein de gens et tu retournais, c'était plat comme avant. Et ici, tu as des journées où tu commences, il n'y a personne, et le soir, tu arrives, tu as des histoires à raconter, c'est énorme. Et quand tu viens, tu vois le lieu, tu vois ça, tu dis que c'est pas possible. J'ai le sentiment que les êtres humains et les animaux, ils vivent en paix ici. C'était toujours comme ça. Maintenant, lorsqu'on observe un bouquetin, ça relève d'un miracle, puisque l'espèce a failli disparaître. Il a failli être rayé de la carte et maintenant, on peut en observer partout. Ils sont nombreux. Mais comme ça, tu connais, tu sais, oh, celui-là, oui, on va tu les... donnes des noms. Oui, on leur donne des noms. Choupiné. C'est quoi ton préféré? Il s'appelle comment? Choupiné. Choupiné, oui. et à cause de quoi c'est Choupiné? Oui, tu es gentil. Il est gentil. Ouais. On a Marron d'or, Pimprenel. On a tellement travaillé pour que cette espèce puisse retrouver sur l'ensemble du Mercantour. Chaque fois que je regarde. Maintenant. Je regarde un sommet, hop, il y a des grandes cornes qui sortent. Un grand mâle est là, le grand bouc est là. Donc ils sont là. Et je suis heureux, ils sont là. Pour eux. Pour toi, ces montagnes, c'est... Moi, je les connais depuis tout petit. Je suis passé partout. Je suis le berger qui est passé ici, sur cet alpage, en 1920. Se dit, il y a un siècle, il y avait quelqu'un qui était là. Mon oncle allait ramasser la camomille dans tel endroit. Donc quand je passe, je sais que mon oncle était là, quoi, en train de ramasser la camomille.
C'est mon pays. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames, ça va? Bonjour, ça vous dérange pas si je m'installe ici? On est bien au chaud, là. Oh, ça sent bon. Vous voulez goûter? Oh, ah oui. J'adore les châtaignes. Elles sont petites. Vous êtes des sœurs? Jumelles. Yabaya, c'est comme ça que je le sais, hein, que vous êtes des sœurs. Vous êtes ici, d'une montagne? Quelques vallées plus loin. Okay. Moi, je cherche des histoires, mais des jolies histoires. Pour ça, je suis venu ici et j'ai fait le deal. Moi, je vous fais une photo. Waouh! Et vous me racontez ce que ça fait, la montagne, pour vous. Hein? Ça, c'est mon studio. Voilà, ça, c'est mon studio. Ça vous dit? Allez. C'est qu'on a besoin de rien d'autre. C'était notre place. Moi, quand je suis dans la montagne, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai mon petit sac à dos, de quoi boire, de quoi manger. Et je suis heureuse comme tout. Depuis que j'habite ici, il y a un coin comme ça qui m'a plu une fois. Et puis quand je me suis mise à marcher, je marche toute seule. Je suis allée dans ce coin-là. Et je peux y aller deux fois par jour. Et je me régale toujours autant. Elle dit que c'est le dos d'une bête. J'ai l'impression d'être, oui, sur le dos d'un animal. On voit sa colonne vertébrale. Et quand je suis là, il y a une vue à 360 aussi, et c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est très beau, les paysages. Mais je ne les comprends pas. Ça vous fait quoi, les paysages? Tu peux décrire ça? Mais c'est magique. Non, mais attends. Regarde-moi hier, j'étais encore... Ce que je me demande, c'est est-ce que ça nous fait, ça ne le fait pas aux autres? Enfin, moi, en tout cas... Comment on peut ne pas toucher? Oui, mais on ne sait pas ce que ça fait aux autres. Voilà, c'est juste beau, ça remplit. La vie est différente complètement, pas que amoureuse. On vit, tout le monde se connaît. Tout le monde se côtoie tous les jours. Il y a des bons et des mauvais côtés. Et la vie amoureuse, non, on ne va pas dire que c'est simple. Partir pour rencontrer d'autres gens, ça, c'est chouette. Moi, j'aime les rencontres. Je vais vous faire la photo. Ça vous va? Salut mon garçon, ça va? T'es perdu? Non. Ah, tu fais quoi ici? J'observe les oiseaux. Hein? Des oiseaux? Moi, je suis toujours trop lente, tu sais. Quand les petits oiseaux passent, je suis toujours trop tard. Et toi? Moi, je regarde plutôt les roues. T'as un favori? Mon favori, c'est le gypaète barbu. Le gypaète barbu? Oui. C'est quoi comme oiseau? C'est le plus grand des vautours. Alors, c'est ton favori, tu sais le décrire en plus petit détail, oui. Il est comment? Il est orange dessous. Oui. Et le dessous des ailes, il est noir-gris, enfin, un peu foncé. Et il mange quoi?
c'est un vautour et c'est le dernier. Quand tous les vautours fauves et tout, ils sont passés, lui, il vient, il prend les os. Oui. Ceux qui sont petits, il les mange. Et les trop gros, il les jette sur des gros rochers pour qu'ils se cassent et ils mangent l'intérieur. Il est malin, quoi. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah, j'espère bien de voir un... Tu fais ça souvent? Te promener comme ça, tout seul, dans les montagnes? Oui. Oui? Oui. Et ça te plaît pourquoi? Bah, être tout seul, c'est bien. Enfin, on est libre. Ah oui, oui, oui. Puis il n'y a pas de bruit, ça... Oui. Tiens, regarde le vautour. Qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, je fais des photos. Je suis photographe. Ah d'accord, j'étais intrigué. Ah oui? J'arrive. Bonjour. Salut. Je suis accompagnateur. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais. Moi, je fais des photos, mais... Tu fais des photos? Mais j'ai des formations professionnelles. Hein. J'ai fait beaucoup de photos de dégâts de la guerre, de tout le bazar. En fait, je suis venu ici dans la montagne pour trouver un petit peu... pour être tout seul, pour me sentir libre. Et quand même, tu vois qu'il y a une frontière ici. Là, on est sur un endroit de passage. On est sur un lieu qui a été foulé. Cette montagne, donc elle est vivante, elle n'est pas figée, donc elle a une âme. Au cours des siècles, dès que la croyance est arrivée là-dessus, si on allait gravir la montagne, c'était aussi pour se rapprocher des dieux, se rapprocher des divinités. Donc on a l'exemple à la Tournerie, tu vois, la Tournerie c'est là-bas. Oui. C'est cette vallée qu'on voit là-bas, là. C'est la vallée du Sien. Donc c'est un site majeur de l'âge du fer. Oui. Donc c'est un lieu cultuel. Donc on a retrouvé des restes de repas, on a retrouvé un four à chaud. Donc les gens déjà allaient au sommet des montagnes pour se réunir. Moi je me sens un petit peu colporteur, hein, moi. Colporteur avec des images. Je passe partout à prendre des images des chouettes gens. Et tu les montres après? Tu ah, leur oui. montres ces images? Oui. Ah ben, tu es tout à fait dans la lignée des colporteurs d'antan. Hein, dans oui. ces colporteurs-là, ben, il y en a qui voyageaient avec des marchandises, il y en a qui voyageaient avec de la musique, il y en a qui faisaient danser les villages, ils arrivaient avec une vielle à roue, ils arrivaient avec un accordéon, donc ils faisaient danser, puis ils allaient passer des messages, il y en a qui allaient annoncer des bonnes nouvelles. Voilà, donc on a toujours besoin de ces gens-là. C'est un peu le lien, c'est le pigeon voyageur qui traverse les vallées. Allez, moi je suis pigeon voyageur. J'adore. Moi j'ai un accordéon, hein. Je vais tout à l'heure, je vais te jouer un morceau. Allez, bon, tu es. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est pas souvent qu'on entend de la musique ici. Ouais, non, mais c'est parce que je suis colporteur, moi. Colporteur? Oui. Ben, j'ai appris ce que c'est. Hein. C'est quelqu'un qui traverse les montagnes, qui fait la musique et qui a des jolies histoires et qui cherche des jolies histoires. Et... C'est une tente de colporteur? Ben, c'est... Avec une charrette de colporteur? C'est quelque chose de très spécial. De très spécial. Moi, en fait, je suis photographe. Et vous? Moi, je suis guide ici. Je fais découvrir la Vallée des Merveilles, les gravures préhistoriques.
Il y a des gravures préhistoriques ici. Ah ben, je sais, moi, je sais. Il y en a plein partout. Il y a un peu plus de 5000 ans, les hommes sont venus inscrire leurs témoignages sur les roches. On a cette histoire-là, comme une histoire qui nous est racontée, et ça continue à monter, et ça va jusque là-haut. Viens, passe par là, tu vas voir à quoi ça ressemble. Viens, je t'aide à passer. Merci. Voilà, regarde là. Tu le vois ici, là, un attelage. Deux corniformes, ici, donc deux taureaux, un joug, un timon, l'arrière, là, pour labourer. Et là, on a un petit homme qui tient l'arrière. Moi, au-delà des gravures, il y a 2000 ans, sans doute, entre la plus vieille et la plus récente gravure. On est entre 3500 et 1500. Mais là, moi, je ressens une histoire. Là, je vois des gens qui ont écrit quelque chose. Ce corniforme avec la tête pointue qui s'accouple à l'autre qui est dessous. Et tout ça va donner... Regarde, comme s'il y avait un petit ici. Un tout petit qui naît de cet accouplement. Et tout ça nous fait arriver à l'homme qui, lui, va travailler la terre. Il laisse un témoignage dans ces roches de leur culture. Alors là, j'ai montré le corniforme. Juste à côté, il y a un petit homme avec les bras vers le ciel. On dit en position d'orant, en adoration, comme ça. Le temps s'arrête là. Les hommes sont venus graver quelque chose qui doit rester dans le temps. Le rapport au temps, aujourd'hui, les gens courent de partout. Là, tu prends le temps de t'arrêter, de regarder, de ressentir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on arrive à ressentir tout ça. Et s'ils ont choisi cet endroit-là pour venir laisser un message, un témoignage de leur culture, de leur vie, c'est pas pour rien. 40 000 gravures, c'est pas juste un paysan qui a envie de dire, ben voilà, moi j'inscris que je suis d'ici, je m'enracine ici. Et puis de toute façon, c'est pas seulement enraciné, ils passent là. Bien sûr, les gens qui vivent ici, ils sont en bas dans la vallée. Mais la culture, elle va d'un côté à l'autre des Alpes. Donc les gens passent. C'est des passeurs ici. Et un passeur, bien sûr, il passe, mais il s'arrête aussi. Et il profite. Profite. T'as gagné 5000 ans. C'est bon, hein? Tu es bien, là? Ah oui. Il fait beau? Oui. On a une vue magnifique. Ah, ça me fait quelque chose, les montagnes. Vous êtes ici? Ouais, j'ai découvert le coin il y a 10 ans. Joli chapeau. Merci. Je peux essayer? Oui, bien sûr. Oui. Encore un petit peu mouillé, hein. Et ils finissent de sécher, là. Celui-là? Celui-là. Tu vois? Pas mal. Le grip va bien. Oula. Oula. Ah, c'est celui-là qui te va le mieux. Le gris? Je te crois. Est-ce qu'on peut faire un deal, peut-être? Ouais. Moi, je suis photographe. Je suis déjà quelque temps ici, dans les montagnes. Et quand je rencontre des gens avec un grand cœur, des gens avec des jolies histoires, eh ben, normalement, ils me donnent des histoires et moi, je leur donne une photo. Je te fais une photo. Chouette. Pour un chapeau. Un chapeau pour une photo. Extra, ouais. J'adore les échanges. OK. Comme ça, je prends aussi... Je prends un... Un segment du temps. Et tu fais ça déjà 10 ans? Ouais, ça fait 10 ans, ouais, que je suis feutrière. C'est un très, très vieux métier. Ah, c'est de fou, moi, je viens de voir les machins très vieux, là, que les gens ont fait, des taureaux et de... T'as vu les gravures? Oui. Et c'était... Bon, je savais pas, j'étais ici déjà demi-journée, et je rencontre un mec qui dit, « Ah, c'est rempli de gravures ici. » Et je les ai vus, c'est waouh. C'est waouh, mais
En fait, tes chapeaux, c'est le même, c'est aussi... Le... Ouais, c'est un très vieux métier. Et ouais, je répète des gestes que les tout premiers hommes ont inventés. Ils ramassaient les bourres qui laissées par les animaux dans les broussailles, tu vois, quand tu te balades par ici. Tu trouves des bourres de renard, de lièvre, de chamois. Et ils ramassaient ça parce que c'est chaud, c'est doux, ils dormaient dessus. Et en dormant dessus, la chaleur et le frottement fait que les fibres s'accrochent entre elles. C'est un principe mécanique très simple. Donc c'est le tout premier textile que les hommes ont inventé. Je vais te faire une jolie photo. Hein. Ah, j'espère. Ah bah oui. Un bon oui. souvenir. Ah bah oui. Tu viens avec? Allez. Ok, on y va. Quel choix de vie. T'as vu les couleurs qu'on a en ce moment-là? C'est, il y a c'est de l'or. Oh, ouais. C'est trop beau, c'est ouais. trop beau. Bientôt, ça va être tout blanc. Voilà. Ta-da. Ta-da. Alors, ici, je mets mon appareil. T'as un beau sourire. Tu mets le chapeau un petit peu comme ça. Comme ça. Là, tu prends le temps de t'arrêter, de regarder, de ressentir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on arrive à ressentir tout ça. Mais pourquoi est-ce que tu regardes les étoiles? Bon, on est en montagne, en altitude. Il y a toute la Voie lactée qui s'illumine là et c'est fantastique. Je suis curieux. Ouais, tu vois. Je suis curieux. Et pour moi, c'est vraiment un émerveillement. Le jour. C'était magique. Salut Wim. Ange, ça va? Ça va. Tu peux m'aider? On doit le mettre sur ce côté. Qu'est-ce que tu fais? Je répare mon chariot. Je pense à repartir. Hein. Pour aller où? Le chemin, c'est important. Pas où tu vas. Le chemin, ça, c'est important. Et tu fais beau, c'est le printemps, non? J'ai entendu des titres à dire. Le printemps est là. Tu veux que je t'emmène les voir? D'accord, d'accord. Tu veux qu'elle est là? Non, t'as vu, je vais pas être là-bas. Où ça? Juste au-dessus du petit collier en neige, là. Merci. Merci de me montrer tout ça. Ange. Et là-bas? T'en penses quoi? Là? Non? C'est pas bonne idée? Non, là-bas. Oui. Voilà. Comme ça? Ouais. Tu fais le... Oui, le chat, oui. Je me mets un petit peu comme ça? Ouais.
Ah, c'est bon. Mais, là, tu as pris la meilleure photo, je suis sûr. Tire ici, qui est émerveillé par une petite fleur. Voilà, cet émerveillement. Voilà. Je crois qu'on est. On est et je suis aidé. Je crois que le mieux quand les gens arrivent. Même moi, toujours, j'arrive. Je respire. Être tout seul, c'est bien. On est libre. Tu respires. Déjà. Moi, quand je suis dans la montagne, j'ai besoin de rien d'autre. Et je suis heureuse comme tout. Là, tu te remplis d'énergie cosmique. Mon mari, la première année qu'il a été maire, il avait 26 ans. Incroyable. Quand il a été maire, tout de suite après la guerre, il a dit, moi, si je reste ici, je ferai... La transmission fait vraiment partie de mon éthique. L'argent, moi, tu ne fais pas le bonheur. Si nous n'avions ça fait 10 ans, ouais. On attendait vraiment... Tu vois, fin juin, début juillet, moi, où j'habitais, tu voyais toute la montagne à droite. Et on savait qu'avant, il y avait encore la transhumance. Il suffit d'arpenter un sentier, d'arriver, de déboucher sur une crête. Mais j'ai plus envie de redescendre. Et une fois en bas, l'image reste plusieurs jours en tête. On est toujours là, le corps physique est redescendu dans la vallée, mais l'esprit est toujours là. Je rencontre des gens avec des jolies histoires, je leur donne une photo. Il a dit, moi, si je reste ici, je ferai une bonne chose. Chose. À m'imaginer que je puisse voir un jour, un mois de janvier ou un mois de février. Le chemin, c'est important. Pas où tu vas, le chemin, ça c'est important. Thank you.